Je dis, hey, Agathe, toi tu t'es même ouillée. Il y a eu des cas ici, là, j'étais avec ma copine Sandra. Et subitement, Blanche est arrivée. Sandra, encore ici, là. Mais Sandra, c'est mon amie, non? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue faire quoi ici, hier? Elle est venue me rendre visite. Toi, encore avec l'enfant, là. L'enfant qui aime le Congo, ça, là. L'enfant qui ressemble à la mauvaise nouvelle, là. Elle est venue faire quoi ici? Et t'as dit que je n'aime pas la petite fille, là. La fille, là, aime le Congo, ça, comme il n'est pas permis. Donc maintenant, tu contrôles mon ami. Maintenant, je contrôle mes amitiés. Donc, je ne dois pas contrôler. C'est une petite fille avec qui tu dois marcher. Maintenant, tu piaques. Et maintenant, celle de Blanche, elle venait chercher quoi ici? Je ne veux plus te voir avec Sandra. Voilà ça qu'elle t'a dit. Et qui est Agathe? Parle-moi de Blanche est venue faire quoi? Elle venait faire quoi ici? C'est celle-là. Tu as causé avec Sandra. Une personne a commencé à toquer. C'est quand elle demande qui c'est qui, personne ne répond. Mm-hmm. Et donc, entrée, c'est Blanche qui apparaît. Aïe. Et qui, toi, tu viens faire quoi ici? La sors de chez nous. Depuis quand je connais le chenou, sors, mets-toi dehors. Elle dit que s'il te plaît, Patricia, essaie de m'écouter. Écoute ce que j'ai à te dire. Je veux demander pardon. Est-ce que ta soeur est là? Est-ce que Cristal, je peux voir Cristal? Elle a pris le courage là où de venir arriver ici là pour venir voir Cristal. Elle veut rencontrer Cristal. À cause de quoi? Elle a pris le courage là. C'est la même question que je me suis posée. Et que j'ai aussi posé à Blanche. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Après tout ce que tu as eu à faire à ma soeur. Et tu ne pouvais pas m'appeler. Tu ne connaissais pas qu'elle était couchée là-bas à l'intérieur. Moi, je me suis dit que tu étais sortie. Est-ce que je savais que tu étais là? Parce que ma vie, c'est le dehors, sortie, montée, descendre. Non, moi, ne reste pas chez moi. Parce que moi, j'aime manger la fesse du chien. Comment elle ne reste pas chez moi? Ça m'étonne même quand tu dis que tu as entendu tous les bruits là et tu ne sors même pas pour aller voir ce qu'il se passe dehors. Regarde comment la viande part. Vois comment le gibier part, Patricia. Pourquoi tu es comme ça? On devait faire la fête de Blanche ici hier. Comment ça m'énerve. Comme elle venait demander pardon, là, c'est parce que son frère les a mises dehors. Donc maintenant, sa soeur, elle, c'est pour ça qu'elle est venue ici là, parce qu'elle voulait chercher Cristal. Donc maintenant, elle connaît l'importance de Cristal. Après avoir fait le dégât, elle va arranger. Quand elle se fait tard. C'est là qu'elle est bien. C'est là mais où elle connaît Cristal. Comment je rate Blanche. Il dit qu'on devait te taper ici là, nous. On te tape. Si tu étais au moins celle-là. On te pilait dans le mortier. Si tu étais là. Tu m'as d'abord cherché. Tu étais d'abord là. Tu entends tous les bruits, tu ne sors pas. Il fallait qu'on tue ta petite soeur ici là. Comme tu es d'abord faible là, on pouvait même te piler. Un rat vient chez toi comme ça, au lieu d'arrêter ça, tu tapes, tu piles. Ok, Agathe. Donc maintenant ta bouche sort. Ma bouche ne sort pas. Ce n'est pas toi qu'on avait tapé là-bas, parce que tu avais fui. C'est parce que t'es malade, je ne voulais pas mettre ma santé en péril. Ouais. Donc non, là maintenant, non. Je suis prête. La personne qui vient, j'atomise. Donc je te gifle jusqu'à qu'elle casse ton cou et suce les os là. Pardon, ça va. Les commentaires sont toujours bien avec toi. Moi, je me débrouille bien. Tu te débrouilles à toi. Toi, si. Tu peux te débrouiller jusqu'à ce que tu mets ta bouche là. Tu as à boire. Moi j'ai quand même tapé une personne. Tu as tapé qui? On t'avait versé le piment, fesse là-bas dans ton cocorico, tu partais devant une femme vaillante pour que les personnes ne parlent. Tu es toujours là en train de bavarder, je ne sais même pas au sujet de quoi vous êtes en train de parler. Il y a vos habits là-bas, qui a lavé les habits, ils sont en train de tomber là-bas, comme une n'importe quoi. Tu m'as parlé de qui? Ce ne sont pas tes habits. Les habits. Vous parlez de quoi? C'est quoi le sujet du jour? Que Blanche était ici. Elle est venue te chercher. D'accord. Bon. D'accord. En parlant même de Blanche, elle vous a dit pourquoi est-ce qu'elle me cherche? Est-ce que c'était moi aujourd'hui? C'était hier. Relate alors, non. Toi, tu ne peux même pas relater l'histoire. Tu n'as pas entendu l'histoire. Si tu relates, ça va faire quoi? Parle là-bas, tu as vécu la scène. Ne dérange pas. Ok. Blanche est venue ici hier. Qu'elle te cherchait. Pour te demander pardon. Parce qu'elle est fatiguée de rester dehors. Dehors, d'où? Elle n'a pas une maison. Patricia, c'est ce que tu m'as raconté ici là. Son mariage à ses Blanches, non? Et sa soeur. Bon, c'est pas ce qu'elle t'a dit ici. Sa situation même ne m'intéresse pas. Bon, c'est bien comme vous êtes là toutes les deux. J'avais quelque chose à vous annoncer. Donc, j'ai décidé de rentrer sur Rob. J'ai décidé de me remettre avec Rob. On en a parlé et il m'a demandé des excuses. Et voilà, c'est ce que il a dit qu'il s'excusait et qu'il veut qu'on reprenne à zéro. Là, on a arrêté notre relation. Donc, j'ai suffisamment réfléchi, j'ai mûri l'idée et je pense nécessairement qu'il faille que je rentre. Donc,
D'ici peu, je ne serai plus avec vous. Tu ne penses pas, tu dois rentrer. Après, on va faire tes bagages, tu rentres. Tu es sérieuse. Tu dis que tu repars. C'est comme si j'ai mal aux oreilles. C'est en anglais qu'elle a parlé. Tu repars. Je ne vais pas me répéter et je ne suis pas ton égal. Arrête-moi ça. Je ne dois pas parler. Tu parles de ma vie amoureuse, pourquoi? Tu partais donc avec nous dans ton foyer, pourquoi? Si tu ne veux pas que je parle. Est-ce que je t'ai amené là-bas pour venir parler? Je ne t'ai pas amené pour intervenir. Christian, tu descends d'abord sur moi. Attends d'abord ton foyer. Quand il fallait parler, pourquoi tu n'as pas parlé? Moi, j'ai dit que non, le mariage. Attendez, vous aurez ce sujet lorsque je ne serai plus là. Respectez-moi au moins. C'est quoi? Les mauvais esprits là, vous êtes rentrés avec ces esprits là. L'esprit de Blanche et Suzy là, ça vous a hanté et habité, vous êtes descendu avec ses... Je ne veux pas. Arrêtez-moi ça. Je paye un bagage et vous partez laisser ça là-bas. Merde. C'est la bastonnade. Je vous ai dit, quand vous irez en mariage, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous n'allez plus tenir le langage. Surtout toi. Tu ne vas plus tenir ce langage. Le piège te rate une fois. Tu repars encore pour une seconde fois. Laisse que ça m'attrape. Quand ça va m'attraper, ne reviens pas. Je pense que jusqu'ici, Rob ne m'a rien fait. Rob ne m'a rien fait. Si j'ai eu un problème dans mon foyer, c'est à cause de ses soeurs. Et comme celle-là en train d'errer, elle vagabonde là comme un mauvais esprit, un peu partout, elle manque où dormir là. C'est vrai que sa situation me déplaît. Ça ne me plaît pas qu'elle soit là dans la rue, n'ayant pas où dormir. C'est vrai que la façon que leur frère lui allait mettre dehors là, ça ne me plaît pas. Je vais lui en parler. Parce que là, beaucoup de choses peuvent lui arriver. Non, tu sors de l'enfer. Pour encore aller comploter avec Lucifer. Pour entrer en enfer. Bravo, je t'ai dit que ce n'est jamais Rob qui m'a dérangé. Rob ne m'a pas dérangé. Je pense que jusqu'à ce jour, il s'est toujours bien comporté avec moi. Donc, si tu connais les choses des mariages, peut-être on doit aussi parler dans la nuit. Si tu voyages dans les boîtes d'arachide, tu pars en mariage. Donc, je vous disais, ce sont ces sœurs qui se sont constituées en parasites dans notre relation. Donc, maintenant qu'il n'y a plus les parasites, parce que les parasites ne sont plus là. Il faut partir. T'ai déjà dit, Aga, je ne veux plus ça. Arrête ça. Si c'était moi, si je m'en foyer, si j'allais parler. Je ne pense pas que c'est l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Ferme ta bouche. Tu as failli mourir ici. Apparemment, tu as la bastonnade. Tu as quel problème avec Rob? Quand il fallait frapper la main sur la table, c'est pour qu'il n'a pas quel problème avec Rob? Maintenant, c'est parce que ses soeurs sont parties qui viennent te chercher. Oui, laisse qu'ils viennent me chercher. Si au moins, on peut être heureux sans ses soeurs, ça me va. Heureux. Ce sont ses soeurs qui étaient mon véritable problème. Peut-être que le heureux là n'a pas eu que ça la fin. D'accord. C'est comme ça que vous êtes. J'aimerais te voir lorsque je serai en mariage dans cette maison. Je vais voir si tu vas tenir le même langage. Ça ne va pas être serrant. Ne parle pas. Je ne suis même pas la voix de ta copine. Je ne suis même pas ton égal. Ne veux même pas que Christian ne parle que aussi l'oiseau. Ne parle même pas. Je ne pense même pas vers ce soir qu'on ne peut. On ne me parle pas. Non, maintenant, c'est vraiment que je te laisse. C'est quand il fallait te laisser là-bas. Qui? Blanche peut me dépasser. Quand toi, tu me vois, Blanche peut me dépasser. Tu voyais mon état, je ne pouvais même pas sacrifier mon état pour faire des bêtises là. On a alors versé le piment dans mes fesses. On a mis le piment dans mes fesses. Pourquoi vous êtes donc rentré? Est faible là. Pas verser le piment, on fait ce plan. Je vais rentrer pourquoi? En tout cas, le problème n'est même pas là. Laisse notre grande soeur rentrer dans son mariage. C'est là le vrai problème et la vraie solution. Pourquoi? C'est mon mariage. Quand elle part, elle ne part pas. Qu'elle va encore revenir ici là. Qu'elle ne revienne pas avec les bagages comme on, prête à sortir, prête à divorcer. Qu'elle ne revienne plus ici là. Comme c'est que ton papa de mariage ne va jamais durer. Je pense que ma part, tu fais certains séjours là-bas, après tu rentres. Oui, tu as bien dit séjour, c'est le séjour. C'était qui bat ta main et pas à ces jours, je reviens. Est-ce qu'on peut maltraiter quelqu'un comme ça parce que tu as des belles sœurs? Parfois, me demande même si vraiment tu es notre sœur. Tu as toujours dit. Donc, ça veut dire que si son mari n'ouvrait pas les yeux, s'il ne chassait pas ses sœurs, il n'allait jamais revenir chercher notre grande sœur. Quand vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas lire. Donc, les choses sont devant vous, vous êtes incapables. C'est là comme les hiboux. Vous acceptez. Vous ne connaissez pas le mec ou pas en question. Il ne peut pas vous questionner dans vos vies. C'est que dès qu'on vient, on accepte. Tant qu'il y a de l'amour, tu es prête à tout accepter, c'est ça le problème. Amour, bimou, personne. Quand tu es amoureuse, tu acceptes tout, tu endosses tout. Pardon, mais tu as l'expérience là, tu es ici.
C'est l'école qu'on te demande de faire. Ah, ouais, tu composes tu contribues. Si tu contribuais, ça allait me faire mal. Ouais, même pitié. Il faut seulement réussir l'examen à Annecy. De tout ce qu'on t'attend avec ici. En mauvaise tête. Bienvenue chez toi, chez nous. Voilà, je suis vraiment heureux que tu aies eu à accepter de revenir chez toi. Ça me fait tellement plaisir, comme tu n'as pas dit. Donc voilà, sens-toi heureuse chez toi, comme par le passé. Je suis vraiment, vraiment fier. Je préfère parler tant quoi ici. Je ne veux même pas d'abord envahir toute la pièce avant de le faire. Comme je viens de traverser la porte là, Rob, je me permets de te donner mes nouvelles règles. Parce que dernièrement, lorsque je suis d'abord entrée, je n'ai fixé aucune règle. Je pense que c'est pour ça que nous sommes allés dans tous les sens dans cette maison. Donc, sache que dorénavant, si tu veux que tout le monde vive bien, apprends à m'écouter. Accorde-moi le bénéfice du doute. Parce qu'un homme qui veut réussir dans la vie, un homme qui sait où il va, il écoute toujours sa femme. Mais toi, jamais tu ne m'as écouté, jamais tu n'as cru en moi. Aime-moi comme la personne que je suis, parce que quand vous dites souvent que tu quitteras ton père et ta mère, ta chère, enfin, vous formerez une seule chair, je me suis rendu compte que tu n'as pas formé une seule chair avec moi. Tu étais, comme on dit souvent, tu faisais une double face. Quand c'est la famille, tu me montres que c'est comme si moi j'ai seulement poussé du sol. Je ne suis pas une plante. Accorde-moi le respect que je t'accorde. Crois en moi comme je crois en toi. Aime-moi comme je t'aime. Ça veut dire comme tu t'aimes toi-même. Oui. Parce que ça, c'était une petite épreuve. Je me demande si on était face à une rude épreuve. Où est-ce que nous en serons à l'heure actuelle? Donc voilà ça que je t'ai dit. J'ai compris, mon amour. Les hommes sages ont toujours eu à écouter leurs femmes. J'ai compris et je pense que tes désirs seront des autres. Sois vrai avec moi. J'ai toujours été vrai envers toi. C'est juste mes petites sœurs qui ont eu à nous mettre dans des problèmes. Donc il n'y a pas de problème. J'ai compris. J'ai compris et je te prierai aussi quand même. À un moment donné, je vais juste te supplier d'être patiente. Sois patiente juste. Tu sais, quand on vient dans un couple, quand on est dans un foyer, on supporte. Ce n'est pas dit que tous les jours, tout sera rose. Il y aura des jours où il y aura le noir. On va broyer du noir. À ce moment-là, quand on broie du noir, essayons de nous dire, tiens, voilà, on peut continuer de nous aimer, nous pouvons continuer de nous aimer malgré l'adversité et défier cette adversité-là. Donc, c'est tout, c'est seulement ma prière là-bas. C'est tout, rien de plus. Moi, je te remercie d'abord déjà d'avoir décidé de revenir là. Ça me fait tellement plaisir, je ne sais pas. Rien n'a changé, aucune évolution. Ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je vais te dire? Je remets les photos à leur place, non? Hey! S'il te plaît, de grâce, remets les photos là dans le sac. Pourquoi, chérie? Remets mes photos dans le sac. À l'endroit où elles étaient. Je vais d'abord me rassurer que tes soeurs. Je vais d'abord me rassurer que tes soeurs ne sont plus ici. C'est comme ça quand je voulais mettre mes photos, j'ai mis tes soeurs ont enlevé. De grâce, remets mes photos dans le sac. Quand je serai sûre, ce sera certifié que je ne suis plus en danger. Je vais mettre mes photos. Ne fais pas qu'on pratique avec mes photos, pardon. Je t'ai fait savoir qu'elles ne sont plus dans cette maison. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est ce que tu as dit. Je dois vérifier ça. J'ai compris. Donc, je fais donc comment je vais avec ça dans la chambre. Va avec dans la chambre. Ok. C'est tout. Tu n'as plus rien à me dire. C'est bon. Bon. J'allais oublier. Parce qu'avant que je ne dorme encore dans cette maison,
faut que tu partes te présenter des excuses à mon oncle. Attends, va avant que tu me donnes comment aujourd'hui là. Oui. Okay. Va t'excuser parce que moi je n'aimerais pas porter la malédiction d'un parent. Il ne faut pas que mon oncle apprenne que je suis de nouveau dans cette maison. Pourtant j'avais dit que je ne venais plus. Et ça veut dire que je te permets de mépriser mon oncle. Va présenter des excuses à mon oncle. Mon oncle c'est ton oncle. Mon père c'est ton père. Par conséquent, mon oncle c'est ton beau-père. Quand j'ai compris, mes chéris, si je ne peux pas le faire aujourd'hui, dans tous les cas, demain je partirai. Je ne veux pas qu'il sache que je suis rentrée ici là. On fait et lui, on va dans la chambre, tu m'attends ici. T'attends. Ok, je garde, donc ça j'arrive. Il faut même d'abord rester debout parce qu'il va m'asseoir là pour venir me dire encore que les chaises sont partagées ici. Dans tout ça, j'ai même cru que quand on voulait qu'ils partent d'ici, on devait améliorer les choses. La maison est toujours comme j'ai laissé, rien n'a changé. Qui vivra, vivra. C'est qui? Le type, ça y a une autre femme. C'est qui? Moi qui entrais. Hey. On fait comme ça que la propriété de lui est là. Blanche. Cristal. Ok. Pardon. On m'a dit que vous n'êtes plus. Oui, c'est vrai. Attends, je pars. Non, ne pas. Attends. Cristal, pardon, ne pas. Je t'en prie, s'il te plaît, écoute-moi, pardon. Cristal, je sais que je t'ai offensée, c'est qu'elle t'a fait beaucoup de mal. Je reconnais mon erreur, s'il te plaît, Cristal, pardon, je t'en prie. S'il te plaît, pardonne-moi, je n'ai nulle part où aller depuis que mon frère m'a chassé. Ça fait des jours que je suis dehors, je ne mange pas, je ne bois même pas. Je porte le même habit. Ma soeur est partie, elle m'a abandonnée, je ne sais même pas. Elle sait, s'il te plaît. Pardon, pardon, Blanche. Blanche, s'il te plaît. Je ne suis pas ton Dieu, je suis un être humain comme toi. Et grâce, mets-toi debout avant de me parler. Non, je ne suis pas ton supérieur. Le fait de te mettre à genoux, là, moi, ça me dérange. C'est quoi? Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que si tu es parti d'ici, c'est à cause de moi. Mais s'il te plaît, je t'en prie. C'était le suivisme, mon Tony. Tu suivais ta soeur, non? Tu vois donc les conséquences. Aujourd'hui, conséquences, non? Je te jure que je regrette tout ce que je t'ai fait. Je regrette tout ce que j'ai aussi fait à tes soeurs. Tout ce que j'ai dit, tous mes coups et tout ça, je regrette. Je te jure. Mais c'est comme tu es venu là, c'est pour que je plaide pour toi auprès de ton frère. S'il te plaît, je t'en prie, je vais changer. Je vais devenir une nouvelle personne. Tout ce que tu vas me dire, je ne sens que des paroles de bouche jusqu'à tu es parti chez nous me chercher. Tu t'en vas me chercher, donc je suis trop importante maintenant. Tu as su ma valeur. C'est juste que je suis en train de reconnaître mes erreurs. Je suis en train de subir tout ce que toi-même tu as là, subi. Là, ça ne sert à rien de s'excuser pour reconnaître les mêmes bêtises. On m'a fait la même chose. Je reconnais tout ce que je t'ai fait. Je t'en prie, Christa, s'il te plaît. Pardon, je t'en prie, plaide pour moi. Je vais changer, je vais faire tout ce que là, tu as demandé. Là, je ne suis sûre de rien. Tout ce que tu bavales là, ce ne sont que des mots. Qu'est-ce qui prouve que tu changeras? Je te jure que si tu... Si tu veux, même toi-même, tu iras m'accompagner à l'école pour que je fasse ma formation. Donc, depuis, tu ne partais même pas. S'il te plaît, je t'en prie, pardon. Tu vois ta vie. Est-ce que tu vois ta vie? Christa, nous tous, on commet des erreurs. Je n'avais pas commis déjà des erreurs. Je reconnais ma part, s'il te plaît, je t'en prie, Cristal. Je te jure que je vais changer. Je ne vais plus faire ça. Tu demandes, s'il te plaît, à qui? La maison, si c'est votre maison, ça me plaît. Ce n'est pas votre maison. Tu sais que mon frère t'aime. Il faut parler avec mon frère, il va t'écouter. Je t'en prie, regarde Christa, regarde quoi elle ressemble, regarde comment j'ai maigri. Je ne mange pas. Je ne pas jamais les mêmes vêtements, s'il te plaît. La leçon n'est pas encore bien entrée. Tu vois maintenant pourquoi suivre quelqu'un bêtement sans connaître où cette personne va. En quoi c'est mauvais? Christa, je te jure que je vais changer. Ben, pardon, attends ton frère, moi-même, je n'ai pas encore de pouvoir ici. Je n'ai pas encore de pouvoir ici. Attends ton frère. Voilà. Tu es venu faire quoi ici? Voilà. Hein? Grand frère, pardon. Tu es venu faire quoi ici? Grand frère, pardon. Je veux dire, c'est la magie. Frère, je ne t'ai pas dit de ne plus arriver chez moi. Je ne t'ai pas chassé d'ici. Grand frère, tu es. Voilà, tu ne lui as pas dit de sortir. C'est ma maison. Fais comme ça. Viens, viens, viens. Écoute là, non. Oh là là, je n'écoute pas. Pourquoi? Écoute ce qu'elle a dit. Tu tiens à me dire quoi? Grand
J'ai dit, je n'ai plus besoin de vous ici. Ne me touche pas. C'est à cause de vous que ma femme était partie. Ok? Je reconnais mon erreur. Non, ne la reconnais pas. Ne reconnais pas. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu n'as plus rien à faire. Je peux l'écouter, non. Laisse qu'elle vide son sac. Elle veut quoi? Tu veux quoi? Je n'ai nulle part où aller. Je vais recommencer ma formation. Je vais changer. Je vais tu vas recommencer que tu avais d'abord commencé. Je vais faire ma formation. Si tu veux, tu peux m'accompagner. Christa, je te jure. C'est comme si c'est le diable qui vous envoie ma mère. C'est comme si vous êtes les habitants de Lucifer. Parce que, en toute honnêteté, je n'arrive pas à comprendre une chose. Comment se fait-il que ma femme est partie? Tout ça s'est passé. C'est le jour où où ma femme accepte, où elle accepte de revenir même dans la maison, que tu prends sur toi de revenir. C'est pour revenir nous détruire. Non, grand c'est le frère, diable. Que je ne vais pas vous détruire, j'ai changé. Grand frère, ta soeur. Ne me touche pas. Que tu bavales à ta soeur. Pourquoi elle ne vient pas demander pardon avec toi? Ma soeur m'a appelé, elle m'a dit qu'elle partait au nord avec son père. Elle part où? Elle part au nord. Avec qui? Avec son cordonnier. Elle est déjà mariée. Elle est mariée. Elle est mariée. Elle partait voir sa belle famille. Avec qui son cordonnier? Je n'ai rien à voir avec l'emploi de X ou Y. Si elle trouve son bonheur là-bas, c'est bien. Si elle a compris qu'elle peut être auprès d'un homme, c'est bien. Moi, je leur accorde ma bénédiction. Mais je dis toi. Grand frère, j'ai changé. Je te jure que si tu veux, tu peux pas. Non, est-ce que ce n'est pas parce que tu souffres voilà. Que tu viennes de ma voilà. Et que tu promets bonne ça question. Parce que dès qu'on va encore t'accepter. C'est comme tu ça. Sors. Tu vas, t'es comme. Grand frère, je te jure, si tu veux, mais je n'habite plus ici. La pauvre maman n'a pas. Tu es là parce qu'elle est. Sinon, si je t'ai déjà jeté dehors comme un cafard. Je sais, je sais. Ça, sache-le. Grand frère, et c'est que. Regarde là, regarde comment elle est devenue. Je sais que t'as fait beaucoup de mal. De mal à qui? Tu te fais du mal à toi-même. Tu ne me fais pas du mal. C'est ta vie. Ça m'engage en quoi? Regardez, je ne vais pas. Si vous voulez, je ne me laissez pas vivre ici avec vous. Prenez moi-même une chambre, vous me laissez là-bas. Je vais changer. Tu viens demander pardon et tu conditionnes. Non, je ne suis pas en train de conditionner pour vous montrer que j'ai l'argent avec lequel on va te louer. Tu as l'argent pour aller te louer la chambre. Tu m'avais fait la proposition, maintenant je te faisais la proposition quand tout allait encore bien. Moi, j'ai dit, s'il te plaît, c'est par rapport à toi que je l'écoutais. Qu'elle tourne le dos et qu'elle s'en aille. Moi, sincèrement, je ne peux pas accepter de te revoir dans ma vie. Vas-y, va loin de moi. J'irai parler à papa sur sa tombe. C'est tout. Je vous en prie. Tu sens même. Voilà. Elle balade les odeurs nauséabondes. Elle en peste. Regarde à quoi elle ressent maintenant. Depuis que tu portes la vie ici. Tu es en train de me gêner. Là où tu me vois, tu me mets tellement mal à l'aise. Chérie, on s'en va. Qu'elle sorte, qu'elle parte. Attends un peu, s'il te plaît. Qu'elle parte. Qu'elle parte. Ouais, attends. C'est quand même ta petite soeur. Ta petite soeur de qui? Des saints, tout simplement. Mais dans la vie qu'elle m'oublie. Mais tu sais que je leur ai accordé toutes les chances possibles. Non. Elles les ont remuées dans tous les sens. Après, elles les ont perdues. Dans la vie, chacun de nous mérite une dernière chance. Vraiment, dis-toi que fais-le pour moi au moins. Dis-toi que c'est une dernière chance que tu lui accordes. Faire quoi? Dis-moi, qu'est-ce que je fais? Selon toi. Qu'on l'admette ici, la mère. Admettre où? Ici à la maison. Oui, ce sera pour une durée. Attends, c'est toi qui demandes qu'on admette Blanche dans cette maison. Oui. Hein? Ce sera pour une durée déterminée. On lui dit par exemple que dans 6 mois. Chercha. Tu ne dois. Ouais. Si elle a dit, attendons de voir si ce n'est pas ça, si ce n'est pas ça, n'est-ce pas? On lui dit que voici ce que tu avais dit et maintenant on voit le contraire. Qu'on l'admette pour combien de temps? Donnons-lui maintenant 6 mois. Non. Le temps d'organiser quelque part. Je suis désolé. Ouais, s'il te plaît. Écoute, chérie, je vais te dire une chose. Tu sais. Depuis que je suis dans la maison, tu t'es demandé quelle faveur tu as. Non, écoute chérie, c'est concernant la Blanche, que je te demande. J'ai compris, je comprends pourquoi tu le fais. Tu es une femme comme elle et tout. Tu la sa comprends. Sa situation ne me plaît pas. Voilà. Je t'avais dit que je ne veux pas de pour tes soeurs et je ne t'avais jamais dit que tu dois laisser tes soeurs errer, vagabonder dans les rues. Ce n'est pas ça. Si venait à lui arriver quelque chose. Rien ne lui arrivera. Ça, c'est ce que toi tu dis. Cette le fille, est devenu très mauvais. Cette fille est plus. Je ne sais pas, plus outillée dehors que toi. Non, elle est plus expérimentée dehors là que toi. Il n'y a pas de problème. Tout compte fait, j'ai compris, tu parles de 6 mois. Je ne saurais donner 6 mois à Blanche dans cette maison. Ce serait encore la rendre de plus en plus fainéante. Mmh. Elle a dit quelque chose six ici. Mois, c'est elle veut reprendre le travail. Oui, non? Mais laisse que. Même la formation va. Ouais, attends, ok, on fait donc ceci. On fera simple. Et je le fais par rapport à toi. Je vais accepter Blanche dans cette maison pour une semaine. Une semaine où je vais me rassurer que sa patronne me dise que oui, bien évidemment, elle s'en va au travail tous les jours, qu'elle fait le travail. Et après ça, pour être dans la paix avec toi et avec tout le monde,
je vais voir. Si on veut, on voudra bien, on va prendre une petite chambre même de 12, 15 000 francs dans un quartier vulgaire de Yaoundé où il n'y a même pas une douche interne. Où elle va apprendre à aller s'aligner peut-être, où il y a une douche commune. Qu'elle apprenne la vie. Et comme ça, là, elle comprendra d'où on peut partir pour réussir. Donc, je lui accorde ce temps-là. Dans cette maison, tu vas, oui, pour elle, tu vas passer une semaine ici dedans. Mais pour manger, ce ne sera pas avec mon argent. Mets ça dans ta tête. Elle va manger quoi? Elle va. J'ai tout fait. Ça va. Non, moi, je suis dedans. Dans tous les cas, moi, je ne veux pas savoir le reste là. Je suis dedans et t'attends. Je t'attends. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Tu vois la vie. Est-ce que tu vois la vie donc? Que Dieu te bénisse. J'ai voulu être amie avec vous. J'ai tout fait pour qu'on s'entende. Tu m'as considéré comme une rivale tant que je n'avais rien fait. Je n'ai rien fait qui a pu te vexer jusqu'à tu me fais asseoir pour me donner tes règles. Comment tu voulais qu'elle marche? Regarde dans la vie. Là, ce n'est pas moi. Et tu comprends maintenant l'adage de nos parents que tel on reste son lit. C'est ainsi qu'on dort. Tu ne saurais jamais récolter ce que tu n'as pas semé. La graine que tu as mise au sol, là voilà. Voilà le résultat de cette graine. Elle ne te donne que le fruit que tu attendais. Tu ne peux pas planter le maïs et tu attends récolter les arachides. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Et moi-même, honnêtement, ça m'arrange. Il faudrait que tu saches ce que c'est que la vie. Parce qu'on t'a un peu trop dorloté. On t'a trop choyé. Tu savais que mon grand frère, tu savais que non. Peu importe ce que tu fais, ton grand frère sera de ton côté. Laisse-moi te dire que les gens changent, ma chérie. Les gens changent. Et les gens changent pourquoi? À cause des actes que nous posons tous les jours. C'est ça qui fait changer les gens. Si ton grand frère est devenu la bête sauvage qu'il est à ton endroit aujourd'hui, n'accuse jamais quelqu'un. Le tort te revient. De toutes les façons, vas-y, essaie de te laver. Moi-même, je viens d'arriver, j'observais encore la scène. Merci beaucoup. Tu n'as pas besoin de me remercier. Merci, je te remercie beaucoup. Va te laver. Maman, j'imagine ce que tu as pu faire dehors pour survivre. Hey, une femme en plus. En tout cas, sois sage.